Une étape que l'on attendait ensoleillée, elle l'a été. Une étape que l'on attendait animée, elle l'a été. Mais pour peu de bouleversements au classement général, c'est Alexandre Botcharov de l'équipe Katusha qui s'est imposé à Mansac. Mais ce n'est pas parce que le quatuor de tête reste inchangé qu'il ne s'est rien passé aujourd'hui entre Uzerche et Mansac. Mais la configuration de la course, une échappée de 5 puis 7 coureurs qui n'étaient pas dangereux pour Gustav Larsson au général, a servi la cause des Saxo-Bank, la formation leader. Longtemps, le Belge Delfos, le Colombien Douquet et 3 Français. Le Floch, Labori et Bonafon, partis dès le 40e kilomètre, sont restés devant avec 3 minutes 30 au maximum d'avance sur le peloton. Même les trains et les passages à niveau fermés n'ont pas réussi à les dissuader. Rejoints par Duret et Faucon après la mi-course, les 7 hommes n'ont pu empêcher le retour du peloton dans la côte de Cublac. On a alors cru que Sylvain Chavanel réussirait à s'extraire. Le 4e du classement général avec 7 hommes dont Fédrigo a compté 45 secondes d'avance dans le final, mais là encore en vain, comme toutes les autres tentatives. Du coup, le peloton est arrivé groupé à 1 km de l'arrivée et c'est Alexandre Botcharov qui s'est montré le plus fort dans ce final pour homme fort. Victoire d'étape donc pour l'équipe Katusha. Au général, statu quo, Larsson, Van Gevelde à 20 secondes, Vaugondi à 43 constitue le podium. Le meilleur grimpeur est le Belge Delfos, le meilleur sprinteur, le Colombien Douquet. Moreau, lui, a gagné une place au général. Il est désormais 6e derrière Morkov. Demain, 4e et dernière étape, Limoges en Bazac.